Dans le pire des cas, cet avion ne sera pas opérationnel avant 2013 ou en 2014. Vous êtes des privilégiés, regardez ça. Et ce silence, tout simplement parce que propulsion électrique part de l'accident. Et oui, parce qu'au départ, on voulait le motoriser traditionnellement avec des moteurs thermiques à explosion. Et puis, ils ont rendu incroyable, mais c'est les mêmes soucis que le grandeur. D'énormes vibrations sur les nacelles moteurs. Et ils ont résolu le problème, vous l'avez compris, en motorisant la mer, il n'y a pas d'autre mot, avec une propulsion électrique. Et ça marche très très bien. Au passage, je remarque que les parachutistes se sont transformés en bombes nucléaires et sont bombardés par des courants passants. Regardez ce qu'il y a de soleil. Il est présent aussi même en statique que l'un des deux au sein du projet. Avec le bonheur réduit et quel bonheur réduit. Bonjour, bonjour, Noël, comme ça, c'est superbe, la 400M et l'équipe Airbus Nantes, représentée aujourd'hui par Vincent. C'est 2011, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, vous l'avez vu. Que du bonheur, vous aimez les avions. 125 500 tours. On ralentit complètement, on tombe à 62 000, on remonte à 124 000 tours minute. Au passage, notez la réactivité de ces moteurs. 25 000 dans l'instant où vous parlez. Température à 760 degrés centigrades. Quand on vous disait que ces moteurs étaient véritablement des bijoux de haute technologie, et bien voilà pour la couleur. L'avion, tous les superlatifs, le Rafale de France, 45 kg, deux moteurs de 23 kg de poussée, 3,60 m d'envergure, la télémétrie à bord, tout ce qu'il faut, il faut, et la décoration façon tailleur vitre, voilà, sortie du train. Nous sommes un petit coup de gaz pour allonger, nous étions à 60 000, on retombe 34 000, 33 000 tours minute et quelques. En ce joli, superbe atterrissage du Rafale Paris de